kula lubia yo, ma konsole yo, anke gisa yo, nazira ni lubana ye, rekomande pe l'instrument de ce soir, la mabuko yam zambé, amona la banako, to sambe li na kombo de sou Christo. Les pays d'Égypte est devant toi.
Et t'habites ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozan. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes. Le peuple sera soir pendant que nous prenons Juge chapitre 15. Mokanda Bandouzi Bilombe, Zomi Namita. Juge 15. Bandouzi Nabilombe, Zomi Namita. Nous allons prendre le conseil du rocher de l'Echi que nous avons touché hier. C'est très important, c'est avec ça que nous aurons la porte pour prendre le troisième nom. Et Juge chapitre 15 à partir du verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Echi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire dans le fraîche. Fraîche. Il étendit sa main pour prendre. Et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau de morceau avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et c'est 17e, quand il y achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela Zélie Ramat Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des circoncis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'Echi. Zambé a bouka ki o ezali litusu ya lipango ezali na l'Echi. Et il en sortit de l'eau. Samson but. Samson a melaki. Son esprit se ranima. Et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Hen Akore. Elle existe encore jusqu'au. Elle existe encore aujourd'hui à l'Echi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Et qu'il nous en ajoute l'explication au nom de Jésus. Nous vivons dans la continuité de notre enseignement. Ces hommes sont bergers. Dans sa deuxième phase, nous donnons la révélation des saints noms des frères et je. Et amener vers Pharaon. Nous ne prenons pas des noms comme par hasard. Vous allez trouver qu'à chaque nom que nous allons prendre, il y a quelques indices par rapport à la charge de ces cinq frères. Parce que nous parlons comme les apôtres, comme les prophètes. Moi j'aime quand j'explique les statuts. Nous disons que n'interprète pas une écriture par des idées humaines.
L'écriture a toujours été interprétée par une autre écriture. Mais quand nous interprétons l'écriture par une autre écriture, nous devons aussi faire attention de sorte qu'on ne puisse pas donner les écritures dans les ordres. On ne peut pas interpréter en désordre. Et quand nous interprétons entre l'écriture de base et l'écriture qui est interprétée, il faut qu'il y ait des bases, il faut qu'il y ait des accords. Moi j'appelle cela des accords. Les accords, oui. Je suis dans Actes chapitre 15. Lors de la conférence de Jérusalem, je suis au verset 13, je descends jusqu'au 15e verset. Lorsque les Juifs cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit: Oh mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Simon a tarissé des gens en bas qui n'a nommé sur la carte du colon propre dans les mots de Bozoa, comme on a dit. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Donc, quand Jacques fait approuver la prédication de Simon, Jacques dit que dans, avec ce que Simon a dit, il y a des accords entre les paroles de Simon et les paroles des prophètes. Il y a des accords. Il y a des accords. Quand on explique les saintes écritures, voilà pourquoi nous disons que nous avons la base. La base c'est quoi? Pour les cinq frères que Joseph avait amenés vers Pharaon. La base c'est le travail que devaient faire ces frères là. Le travail c'était quoi? Il devait prendre les soucis du peuple. Et c'est qui passe la pensée. Il devait prendre la demande de tout le peuple. La demande de toute la famille. Ce sont eux qui devraient amener cela vers Pharaon. Et quand ils vont parler à Pharaon, Pharaon va répondre. Mais la réponse de Pharaon, c'est aussi eux, les cinq, qui devraient prendre ça et ramener cela vers la famille. En d'autres termes, les cinq frères n'étaient que représentants de toute la famille. Les cinq frères n'étaient que les porte-paroles de toute la famille de Jacob. Et nous avons dit que dans le nombre 5, nous voyons le ministère de la parole. Parce que ici, il s'agit de parler à Pharaon. Il faut parler à Pharaon. Là, j'ai dit que ces cinq ici avaient reçu de Joseph les dons de parler. Ce que nous appelons notre terme, les cinq dons ministériels. Le ministère de la parole, porté par les hommes que nous appelons ministres, ils sont le travail de prendre les problèmes du peuple, amener cela vers Dieu, de prendre ce qui est à Dieu, amener cela vers le peuple. C'est ça le travail que faisait Lévi. Médiation entre l'Éternel et le peuple. Nous avions aussi dit, quand nous avons révélé les deux noms, le nom d'Issacar, comment Issacar est entré dans la scène ici. Nous avions dit ceci: si nous avons fait entrer Issacar dans la scène,
parce que nous voyons aussi les Belges, Jacob nous révèle quelque chose de pour Isaac. Et que cela est en conformité avec la mission de Genèse 4. Le problème de Genèse 7, le souci c'était quoi? Ils habitaient la terre de Gosen. Or le roi Pharaon lui-même nous dit que Gosen était la meilleure partie du pays de l'Égypte. Gosen est comme la meilleure partie de l'Égypte. Moi j'ai appelé cela en d'autres termes. Selon le terme du père Jacob. Selon le père Jacob, pour que ses enfants puissent avoir la meilleure contrée, il faut que Isaac ait démontré comme étant l'âne robuste. Isaac devrait se coucher dans les étables. Isaac devrait se reposer. Et quand Isaac se repose, il regarde les lieux où il se repose. Il trouve que ce lieu est agréable. C'est comme ça qu'il va courber son épaule. Quand on dit que Issachar courbe son épaule, dans la pensée de l'écrivain, il courbe son épaule pour porter la charge des autres. C'est à cause de quoi? Parce que la contrée est magnifique. Isaac a les autres puissent habiter cette contrée magnifique. Là où moi Isaac je suis, c'est là que vous devrez habiter. Et remarquez, pour habiter dans la contrée magnifique, il faut d'abord se décharger de son fardeau. C'est aussi l'église de Dieu. C'est aussi l'église du Seigneur. Pour habiter l'église, nous étions d'abord dans le monde. Et dans le monde, chacun de nous avait son fardeau avec nous. Le fardeau, c'est aussi les problèmes, c'est aussi les péchés auxquels nous étions liés. Mais quand nous avons entendu l'évangile éternel, et que nous avons crié en Jésus, nous nous sommes déchargés de nos fardeaux. Isaac a porté nos péchés. Isaac a porté nos fardeaux. Nous nous sommes libres. Et la sorte, nous nous retrouvons dans la contrée magnifique. Pour aujourd'hui, dans ce qui est la contrée magnifique, c'est aussi l'église. Et dans ce qui sera la contrée c'est aussi l'Europe du Sud. Les animaux quand il y a Makolo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Issachar, un sauvage. Un robuste. Issachar, un Yamakasi. Un robuste. Yamakasi, Colin. Nous avions démontré que le véritable Issachar, c'est le Seigneur de gloire, Jésus. Les animaux en quel mot est-ce que nous sommes allés toucher chez Samson. Tout est là qui consiste Samson. Juge chapitre 15. Nous devons un peu retourner là-dessus. Parce que nous avons trouvé important de faire quelques mises au point. Nous avons dit
C'était avec la mâchoire d'âne. Et Samson a vaincu les ennemis des Philistins. Mais l'écriture précise. Et cette mâchoire d'âne était fraîche. Quand on dit que la mâchoire est fraîche, cela veut dire que cet âne est venu d'être tué. Samson va vaincre les ennemis. Je vous informe bien de mon assassinat. Le secret de la victoire face à vos ennemis. Il ne faut pas chercher les armes que vous voyez les militaires s'éliminer avec. Pour nous, du moins. Le secret de la victoire. Il faut avoir la mâchoire d'âne. Samson n'a fait pas de pistolet. Samson n'a fait pas de yana. Samson n'a fait pas de akataram. Samson, pour vaincre les ennemis. Remarquez, lui, il était seul. Mais il a fait tomber 1000 hommes. Il a vaincu les 1000 hommes par quoi? C'était avec la mâchoire. Combattu par tes ennemis, quelquefois la force des ennemis. Si tu as du moins la mâchoire d'âne, aussi des hommes comme ça, ça peut se voir comme quelque chose qui n'a pas de portée. Voyez quand vous circulez ici, vous rencontrez une mâchoire d'un animal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu rencontres la mâchoire d'un animal ici. Tu verras que ça n'a pas d'importance. Parce que ce que les gens cherchent, c'est la chair de l'animal. La chair n'est pas là. La mâchoire, c'est va faire quoi avec? Laisse-moi te dire. Et sur le plan spirituel, la mâchoire d'âne a le mystère de la délivrance. Il a le mystère de la victoire. Pour ressortir victorieux de ce combat, je vous exhorte à chercher la mâchoire d'âne. Il faut avoir la mâchoire d'âne. Nous avions dit que cet âne-là a été tué. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Comment Jésus devient l'âne? Oh, moi je crois. Issachar le véritable. Issachar, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Oui. Là, tu vas me demander l'accord. L'accord. Comment Issachar devient Jésus? Je vais te donner les accords. Quand je crois, je t'entends pas de Issachar. Dans l'ombre, la réalité d'Issachar, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Nous tournons à Genèse 14. Verset 14, verset 15. Écoutez bien. Issachar est un âne robuste. Azali punda ya makasimi. Il voit que le lieu où il se repose est agréable. Et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule. Sous le fardeau. Ah, nasé ya mokumba. Il s'assujettit à l'idée. Peya komi moumbu ya mato. Et Issachar fait quoi? Il courbe son épaule. Et quand il courbe l'épaule, c'est pour porter le fardeau. Vous allez trouver que Jésus-Christ a dit ceci. Venez à moi. Vous tous êtes fatigués. Chargés. Moi, je vous accorderai. C'est ça. Hein? Jésus qui se présente comme celui qui
dois porter le fardeau. Moi je crois que là il est dans la casquette de Satan. Ça c'est la première chose. On dit que Issachar, après avoir courbé l'épaule, il s'assujettit aussi à un tribut. Je veux que tu puisses bien expliciter cela. Il s'assujettit à un tribut. Ah, pour la tribut, c'est quoi? Tout ça. Hein? Cherchons d'autres versions. Moi je crois que Matthieu, chapitre 20, tu as trouvé verset 15. Je recommence à partir de verset 14. Il s'appelle un anneau solide. Il se couche dans un enclos entouré de deux murs. Il a vu que l'endroit était bon et le pays agréable. Il courbe les dos pour porter le fardeau. Il est fait pour un travail d'esclave. En d'autres termes, Issachar qui s'assujettit à un tribut, cela veut dire Issachar a mis tien à Issita. Il s'est mis dans un endroit. Il s'est prêté comme un débiteur. C'est comme Jonas. C'est comme Jonas. Il est mon débiteur. Mais même je ne parviens pas à m'acquitter à son égard. Maintenant le serviteur de Dieu mal c'est lui Issachar. Au lieu que je m'acquitte de sa dette de 10 000 francs. Maintenant le serviteur de Dieu se fait 10 000 francs. Prends-moi comme les 10 000 francs que tu dois les faire. Donc, Jonas a reçoyé, lorsque Jonas est venu, moi je sors maintenant de la servitude. C'est ça le travail Issachar. Il y a mon émotion à Issachar. Issachar a foutu la paix au Dieu. Amen. Pour vous donner comme un que Dieu vous bénisse. Amen. Dans l'obit de j'ai véritable Issachar. Issachar, il y a ça là. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Et ça dit qu'on a quel bon esprit. Après, si premier témoignage par rapport au fardeau, j'ai donné un premier témoignage par rapport au fardeau. Deuxième témoignage, l'état tenu à mi-valeur par rapport à l'enfant. Matthieu chapitre 20. Oui, salut, Matthieu, mon tout. C'est bon, on a trop de problèmes. Nous étions quelque part. On a trouvé là-bas. Là où nous étions. On a trouvé des paniers. On met des paniers. Important. Parce que nous voulons construire. Oui, nous allons construire. Construire, ça dépend de l'âge. Tout ce que vous venez mettre dans les paniers là, c'est pour le travail de la construction. Des amis pour la moussale à côté. Bon, l'idée était géniale. Hein? L'idée était bonne. L'idée était bonne. L'idée était bonne. L'idée est bonne. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Le fond casse est bon. Ah, oui, ça dit mais la forme. Parce que les gars, ils achètent la doctrine. Ah, pour le bain, t'es pas Kowana, ils ont tout mis ça. Que Dieu bénisse. Ah, la forme fâche la doctrine. Ah, pour le bain, les bandes, ils ont tout mis ça. Parce que. Pointe. L'Ikambo Yambako. Ça, c'est qui concerne les impôts. Parce que je discutais avec le frère. Pointe, la souris, la bande. Ils m'ont donné les écritures dans l'ancienne alliance. Papa, c'est ça, il va commis la bonne camionne. Pour les Israélites, les frères envoyaient les pots. Wapi baïsale c'est qui batinda. J'ai dit rentrons même dans la folie de l'écriture parce que tout son terre ni boma ni comica canet. Quand Moïse a institué la notion de l'écotemple, lorsque Moïse a tiré l'idée à Wana, les montants à payer étaient précisés, les écritures précises. Ah ma commis est là qui pénètre le banan 6
passé là, devrait être respecté par un tournoi. Ils ont posé la question. Votre maître, Motina, ne paie-t-il pas les pauvres? Pierre dira, si il paye les après, Jésus va appeler Pierre. Il posa la question à Pierre. Le roi de ce monde, de qui perçoivent-il les pauvres? De ses propres enfants ou encore des étrangers? Pierre répondra ceci. Jésus dira encore, c'est qu'un fils du roi ne peut pas payer les pauvres dans le royaume de son père. Mais nous disons que là, l'église, c'est le royaume de notre père. Vous ne pouvez pas nous faire payer les pauvres. Quand tu vas tirer ces poissons, tu vas rencontrer l'argent et tu vas payer les pauvres. Si vous posez la question à Pierre, l'argent que tu as donné là, pour les pauvres, Pierre te dira, c'est le poisson qui m'a donné. Les amis, si vous voulez, si vous posez la question au poisson, poisson, miss, tu es mort pourquoi? On couvre pour la poisson de l'Ira. Je suis mort. On couvre pour que Pierre, hein? Tu es prêt à les payer les mots? Afin d'abord. Ces poissons-là, c'est qui? Ah, mission, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Les amis, qu'on a été pour Jésus, les mots. On couvre pour nous payer pour la confuta notre dette. Pour la confuta Nyongo. Matthieu chapitre 20. Ah, Matthieu au capot. Verset 28. Ah, c'est là. J'ai dit que l'idée de mettre un panier là où les saints vont placer l'argent pour la construction, cette idée est bonne. Alors, l'italisme, c'est un fond est bon. Ah, l'italisme, c'est un fond. Casse le légal, il fâche. Ah, ils ont tout mis à chercher. Tout le cas, comment on sous. Il ne fâche pas à l'autre. Oh, les amis, tout mis à l'italisme. Matthieu chapitre 20. Écoutez ce qu'il dit. Yo quiero con mi elobi. Verset 20. Jésus les appela et dit, Yesu abengi bango, vous savez que le chef des nations, oui, bien te makondi ya mabota, les tyrannise. Makonza kabango na konyoko la. Et les grands les asservissent. Pe bakolo na minene ba nyoko la bango. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Kasi mais quiconque fait être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être
servi. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des pauvres. Le fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon des pauvres. Le fils de l'homme a donné sa vie. Parce que tu l'as protégé. Tu l'as protégé. Tu as gardé ses enfants.
Une fois on était à Goma, tout cela qui m'a la moque, les années passées. Ah,
Si je me souviens très bien, c'était vers 2009, comme ça, 2009, 2008. J'étais en débat avec les gens. Dans la radio, dans la radio de la place. Ah, Nakati a étant donné qu'on est ici. Moi, j'étais venu par moto. Gaïnayaki na moto. Pendant que la moto me dépose, tant que moto est à côté, Gamay, je vois une jeep qui va partir. Ah, na moto moto qui tombe comme un côté. Il y avait des personnes qui sont derrière. Bah, il m'est parlé comme ma moto, la moto qui tombe. C'est le prédicateur de Sibens. Et ça qui battait, y a maman là. Nous sommes entrés. Tu conti dans les plateaux. On a l'étendue. On a commencé. Tu m'as dit combien d'années? C'était sur le ministère de la femme. Ah, et ça là qui moi sont qui côté à tous. Je les ai complètement massacrés. Ah, je les ai complètement massacrés. Gaïn pendant la salle qui va mourir. Tout ce qu'ils avaient comme argument. Ni on se basa qui est encore à Maloba. L'écriture. L'encore à Macomi. Il dit, tant qu'on va bête, je massacre. Ah, il dit, va bête, je massacre. Ah, à la fin, Nasuka, toutes les cartouches étaient faites. Ah, ma terre, ma... Bah, que je suis. Mais là, ils vont dévier le débat. Et c'est là, on dit, ah, toi, qu'est-ce que tu vas pêcher aux âmes? Il y a au côté à lui. Qu'est-ce que tu vas pêcher? Au côté à lui. Qu'est-ce que tu vas pêcher? Il y a au côté à lui. Toi-même, tu n'es pas béni. Il y a mon cousin à lui. Tu n'es pas béni. Aux âmes, pas. Nous t'avons vu ton monnaie en train de descendre. Au kiti de la moto. Na moto. Toi, tu n'es pas béni. Aux âmes, à ta. Qu'est-ce que tu vas pêcher aux âmes? Au côté à lui, car on est dans le qu'est-ce qu'on a. Ouais, tu vas pêcher à cause à la bête. Pour être béni. Pour la coupe, je vois une bête. C'est-à-dire qu'on a un amour toca qui tente. Quand on a l'enseignement, quand on a l'enseignement, on est béni, 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 on
pouvoir nous accorder les choses de ce monde. C'est dont nous avons besoin. S'il veut, il peut te donner la voiture. S'il veut, il peut te donner la parcelle. Nous prions le Seigneur. Nous il nous donne aussi ces choses. Mais si le Seigneur ne veut aussi, ce qui connaît l'Igui, il peut pas me donner la voiture. Nous avons des frères qui sont morts. Tous les gens qui n'ont pas acheté les voitures. Est-ce que nous allons dire que ces frères-là n'iront pas au ciel? Parce que nous n'avons pas acheté les voitures. Non. Ou ne pas avoir la voiture. Mais on est béni par Dieu. La bénédiction, c'est d'abord quoi? C'est d'abord la bénédiction. Et c'est là où on dit que la lobby, Samson, Simpson, a vécu le béni. Il y a l'autre qui va vous là. Par mon chemin. Il y a beaucoup en bas. Après avoir vécu le béni. Nasi Makolo Kabanguna. Il va prendre la mâchoire. À cause de beaucoup en bas. Jeté à l'échi. À Oboa Kamona, la Léchi avait une pierre et ça là qui n'a pas un rocher et ça là qui n'a pas un rocher à Léchi, il bat d'abord quoi. Mais maintenant, Samson se retrouve en assise où t'as mis la soif à Salina Posama, la paix point d'eau et maïs à la qui va prier l'éternel à Kobonde la l'éternel maintenant. Il y avait peur de donner l'eau à Samson pour la coupe sa maille à Samson. Il va regarder là où Samson avait jeté la mâchoire d'Ali à côté la gaga qui a pas mon cou en bas la boue. Ça vient pas pour l'eau. Ne peut sortir que du rocher où a été jeté la mâchoire d'Anan. Voilà pourquoi moi j'ai dit, y a moi la main à l'eau. Là on a reçu la mâchoire d'Anan, on doit être émis sous sa bonne âme. Et c'est bien tout la tima maman est belle. Que l'eau sort en abondance. Mais tes mailles qui m'en a été l'eau.
là où on a jeté la mâchoire. Il faut qu'il y ait l'eau en abondance. Là où on a jeté la mâchoire, il faut qu'il y ait de belles paroles. Voilà pourquoi moi je crois. Dans la mission, le troisième nom. Ah, comment ça? C'est Neftali. Oui, il y a Neftali de pouvoir. Parce qu'il s'agit de la parole. Rentrons parce que l'écriture dit que la nature aussi va nous enseigner. Attention, ma pointe, Nicolas, bien que mon calibre, c'est que l'éther. Vous croyez que nous sommes là. Si le président de la République nous demandait d'aller le voir aujourd'hui. Ok, et qu'il a besoin de parler avec nous. Vous croyez que tout le monde va partir. Tout le monde ne va pas partir. Il y a une poignée des gens qui va partir. Attention, même dans cette poignée des gens. Ce n'est pas n'importe qui va partir. Ce n'est pas n'importe qui va faire partie de la délégation. Quand on va voir une autorité, nous allons regarder dans notre famille. Et puis les frères que nous avons. Mais qu'on la voie et qu'on l'écoute, c'est clair.
l'évangile. À la manière de l'évangile. L'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel. Ah, laissez le sou. Si la prédication est bonne. Frère. Si Neftali parle bien, Neftali est lui-même. Vous savez, que signifie le nom de Neftali? Rachel, si tu le nom de Neftali, parce que Neftali est le fils de Bila. Ah, ça l'a dit moi, Bila. Bila qui était servante de Neftali. Bila, c'est pour ça qu'il y a aussi un Rachel. Quand Rachel voit qu'elle n'enfantait pas, elle a pris sa servante Bila. Elle l'a donné à Jacob. Et Jacob a sorti avec lui. Et Bila est devenu enceinte. Et elle a enfanté le deuxième fils. Elle l'a donné le nom des deux. Si tu poses la question à Rachel, Rachel a pris quelque chose. Pourquoi Rachel? Pourquoi tu nommes ses fils Neftali? Pourquoi nous pensons nous comme Neftali? Écoutez la réponse de Rachel. Yo et Rachel. Ça passe en règle. Écoutez la réponse de Rachel. Pourquoi? Pourquoi? Elle a nommé cet enfant. On a dit un peu comme Neftali. Neftali. Genèse 30. Ah. Genèse, vous allez parler tout comme ça. Je suis au verset 7 et verset 8. 7 et 30. Verset 7 à 8. Bila servante de Rachel. Bila Moussel à Moussel Rachel. Devient encore enceinte. A comment la moukoumazé. Et enfantant et second fils. J'ai abouté qui moi la vie balé na Yako. Rachel a dit. Rachel a dit. J'ai été divinement. Na boumi. Na bonzambe. Contre ma soeur. Na dekounaka moussi. Et je venais. Pé na longi. Et elle l'appela du nom de Neftali. Pé après ça qui moi la combo Neftali. Donc, en même temps, la victoire est longue. Facile. Ah, l'ensemble, c'est prendre la parole de Dieu. Ramener cela avec toi. Ah,
C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, c'est prendre la parole. Voilà pourquoi nous disons que on ne peut jamais bien prier quand on n'a pas la connaissance. Donc, quand tu te sens bien, la malade, on t'aime ce qui te salit, tu es dans la sève, tu es dans la sève. Il y a qu'à Dieu, il y a qu'à la terre, mon camoyote. Mais ce que tu fais, ma prière, là, il y a un combat. Pas au monde, il va te donner l'église. Ah, quand il s'agit de l'enseignement, il ne vient pas. Prière ne combat beaucoup de gens. Mais on sent bien la dégénie. Mais comment vas-tu? Quand tu n'as pas la connaissance de la parole. Voilà pourquoi vous allez trouver notre Jean. Il y a beaucoup de temps à ton Jésus. Il brille. T'as pour ma sauce. Le modérateur va donner la requête. Ah, mon camion, ça va. Nous allons évoquer les sangs. Tu combien la maquille. Nous allons évoquer les sangs. Il y a la maquille avec le sang. Maquille Jésus Christ. Et c'est la plus coulée. Vanessa, par exemple, le sang. Dans ta voiture, la mouille de ton lit. Nicolas, le sang de Jésus. Maquille Jésus. Je donne la requête. La paix, le sang de Jésus. La maquille Jésus. La maman dit combien de temps. Maquille Jésus. Maquille Jésus. Il sait que le combinaison est dans le sang. Il n'exauce pas cette prière. Avec un montain. Ces gens de prière. Dans le sang, voilà. Le Seigneur n'exauce. Et à nos lamentaires. Quand on veut parler du sang de Jésus. Quand on dit qu'on le maquilla, Jésus. Il doit d'abord avoir la connaissance du sang de Jésus. Et ce qui nous en a envoyé, il y a maquilla, Jésus. Moi, tu vas invoquer le sang, le sang, le sang. Mais combien la maquilla, maquilla, maquilla. Nous, nous allons te montrer. Ils sont au contact, ils sont. Le sang de Jésus. Maquilla, ils l'ont vaincu par l'onglet de Satan. Oh, c'est du sang de l'agneau. Nicolas, maquille-moi la pâté. Mais le sang de l'agneau. Maquille-moi la pâté. Donne la victoire. Oui, paix, c'est l'homme là. C'est quoi? Les amis. Laisse-moi te dire. Oui, Baba. Que tu le saches. Et quand on parle du sang de l'agneau. Ambassadeur de la maquille-moi la pâté. Le sang de l'agneau. Maquille-moi la pâté. De l'enseignement. Des amis de la quissimité à mon beaucoup. Mon calé mon ici. Verset 14. Mon capro na sambo zoni na mina. Tout aussi ici na aw. Nous allons prendre quelques 10 minutes de prière. Et te gozo avant mon amouki à le sambo. Nous allons te laisser le temps de la tournée à la maison. Et te gozi ki na otango ya yozo na nandako. Laisse-moi te présenter. Si kanga ina talisa. Le véritable son de Jésus. Magila ya solo ya surprise. Écoute ce que l'Écriture dit. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Mon cadet est mon ici. Chapitre 7e. Mon caponasamo. Je prends le verset 13. Dans une molongo et à zone inamisato. Je dis. Natangi. Écoutez ce que déclare l'Écriture. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Et ils les ont blanchis. Que Dieu bénisse. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Prenons le sang de n'importe quel animal. Parce que le sang porte la couleur rouge. Et ça soit le sang de l'animal comme le sang de l'homme. Et ça la maquillage. Le sang c'est la couleur rouge. Est-ce que tu peux prendre le sang dans un seau comme ça? Tu prends une chemise blanche comme ça, comme c'est papier de choix. Penza et la main à pembe le col à casse. Tu prends la chemise ici. Osu pene la main à pembe. Tu déverses dans le sang. Vraiment, quand vous allez sortir, c'est là, ça sera encore blanc. Ça sera encore blanche. C'est possible. Et ça, mais l'Écriture dit qu'ils ont blanchi leur robe. Mais Nicolas, le livre, comme ici, ma sabana, ma robe, la maquille. Comment la robe qui a été mise dans les sangs va sortir blanche? Le livre dit ni, ma pembe. Deuxième témoignage. Ah, il t'a tenu à l'Ivani. Deutéronome. Vous allez dans mon canard, vous bannez mon béco. Ah, que Dieu me fasse grâce. Ça m'a ça en l'air. Je suis en train
Ah, les modérateurs me souffrent. Ce n'est pas moi, ça vient. Je suis en train de chercher un deuxième témoignage. Bon, je vais donner ça. Je vais parler de Juda. On parle de Juda. Je dis que Juda lave son manteau. Genèse 49. Juda est un jeune lion. Je descends verset 11. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement. Et dans les sangs des raisins son manteau. Il a lavé son vêtement. Les savons c'est quoi? Sabouni et Zalini. C'est les sangs des raisins. Et Zalini, Makila, c'est les sangs des raisins. Ah, Makila pour ma vie. Il est fou. Ça va pas pour ça. C'est-à-dire, quand la robe est sale, tant ça va les salines, quand le manteau est sale, tant que mon corps est sale, si tu veux blanchir le manteau, ce que nous avons fait, on peut mettre, ça va aller. Utiliser les sangs des raisins. Et c'est bien qu'on sale la Makila. Les sangs des raisins, c'était des déjà. Makila, moi, n'a pas été sali pour l'olimbindo et la main. Dieu vous bénisse. Ça va pas. La blancheur. Ah, au pembe. C'est aussi la pureté. Ah, et ça dit peut pomper. Or, ce qui nous amène la pureté, c'est. Oh, mais la mission pour peut être. Ah, on dit que la robe était sale. La robe est sale, c'est quoi? C'est la vie des méchants. Ah, tant par le vie, ça va la mettre. Ça dit pour la mission. Mais quand on dit qu'on a lavé la robe, tant par le vie, va socorrer. Ça dit que la robe a été sanctifiée. Et il connaît que pour lui, ça. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour lui. Il devient pur. Et comme il peut être. Jésus a dit ceci. Yes, on le dit, oui. Déjà. Vous êtes pur. Vous allez péter. À cause de quoi? Nicolas Lima. À cause de la parole. Nicolas Lima. Vous avez écouté. Oh, et vous, qui? La parole. Lima. Rampé. Et comme il s'appelle. La parole est pure. L'inobé pète. La parole est blanche. L'inobé comme il s'appelle. La parole qui est blanchie. L'inobé comme il s'appelle. C'est quand la signification du sang de moi. Et ça l'inobé n'a qu'à dire. Oh, et t'as mis deux là qui s'y m'a qu'il a pas de bois. Yango, non? Non. Parce que nous avons la parole. Le coup, tout ça, nous avons les saints. Dans la parole. Il nous a été dit. Oui, que si nous voulons prier. Ce que tout ça, si nous voulons combattre nos ennemis. Nous allons tout simplement utiliser le nom de Jésus. Donc ça, il attaque encore pas Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Comment Jésus-Christ ne peut pas être remplacé par les saints. Et au quitter qu'on maquilla. Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est puissant? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus. Combat tes ennemis. Combat Jésus au bout de sa vie. Est-ce que tu crois que le nom de Jésus t'apporte la victoire à tes ennemis? Amen. Nous allons nous mettre debout. De côté les mains. Nous allons combattre nos ennemis. De côté les mains. Par le nom de Jésus. Là, il a dit ceci. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Après, si nous avons marché sur les serpents. Et quand sur les scorpions. Si toute puissance est l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, mon côté, qu'on a mis là. Rien ne peut nuire à ta vie. Y ahora la martina.
Et bien, si on a une hypertension, crise a fait son coup. Ok,
Zambia. Et si ma momisi liwa, longola liwa, tcha longi vi na Congo Jésus. Amen. Okalo Zambia. Et si ma momisi accident, longola accident, tcha zera e manamu na Congo Jésus. Et si ma momisi maladie mo songolo, soke se konta ki na nsolo. Verset lo bike, zete nyon so tata na biso alonite, o picola. Okene go picola, zete ya maladie. Mosisa ya passi, mosisa ya botutu, ya échec na mazera na yo. Est-ce que ma tie échec remplace à moi la victoire? Tombola na mon na